Bon, eh bien nous sommes le samedi 27 avril, ça fait 2 mois du coup, que à peu près, que j'ai filmé une sorte de weekly vlog, on va dire ça comme ça. J'avais commencé le montage et puis en fait j'ai arrêté, j'ai pas pris le temps de continuer. J'avais peur en fait de poster un peu cette vidéo. Désolée, le vlog commence avec une lumière pas ouf. En fait j'avais un peu peur de le poster. Je me suis dit, écoute, j'ai filmé. Je vais poster et puis basta. Beaucoup de choses ont changé. La base, vous verrez dans le vlog, je parle de partir en Australie dans 1 an. Pour 1 an. Au final, je pars dans 2 mois pour 6 mois. Donc rien que ça change énormément de choses. J'ai envie de partager beaucoup de choses, les préparations, mon déménagement du coup, parce que j'ai mes affaires sur Paris. Il va falloir que je les ramène chez mes parents, etc. Les papiers, les demandes de papiers, là-bas, tout simplement. Et je me suis dit, écoute, c'est un peu mon journal de bord, c'est un peu des trucs que j'ai envie de filmer pour moi et de revoir plus tard pour moi. Donc j'ai décidé que j'allais monter tout ça, le poster comme ça, et voilà. Du coup, je suis en vacances, je suis à côté de Bordeaux là, donc ça fait déjà 5 jours que je suis là. Non, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais, si c'est ça, 5 jours que je suis là. Je repars dans 3 du coup. Ici c'est assez chill, je me couche pas trop tard, mais bon en fait vu que voilà, il est déjà 22h et je vais absolument, bon c'est pas super tard 22h, mais je vais absolument en fait finir le montage de ce vlog ce soir, je pense, enfin j'aimerais beaucoup, je pense que c'est faisable, donc je vais peut-être pas me coucher super tôt comparé à d'habitude où je lisais, etc. Au pire, je suis en train de me dire que je peux très bien terminer le montage demain en fait, donc bon, je me couche pas trop tard, je lis beaucoup, je travaille le matin puisque j'ai mis ma semaine d'examen la semaine prochaine, pas juste là mais un peu après. Voilà, donc et puis l'après-midi je lis, je fais des petits trucs et tout, donc je filmerai peut-être un peu ici. Enfin bon, ça va être un weekly vlog un peu étendu jusqu'à week-end prochain, je pense, je vais voir combien je filme. Et puis voilà, donc là on est le 27 avril, je pense que ce soir je vais clairement pas filmer grand-chose. Et puis, en fait, on se retrouve du coup demain. Bye! Je viens de finir le montage. On est dimanche 28 avril. Il est assez long. Il est assez long, mais bon, voilà. J'ai filmé 34 minutes et 48 secondes en tout. Voilà, il y a pas mal d'accéléré, des petits timelapses et tout. Et je raconte totalement ma vie à l'intérieur. Au programme aujourd'hui, il est 13h. Ce matin, j'ai bossé, j'ai fait du code de la route. J'ai fait mon record, 7 fautes, j'y crois. J'ai fait un pari comme quoi je dois passer avant fin mai. Donc il me reste encore quelques semaines pour y arriver. Puis cet après-midi, je vais regarder la Formule 1. Que je fasse un peu de droit, que je relise des cours où j'ai déjà fait des notes, donc que je bosse un peu, et puis sinon ça va être lecture chill et tout. Je sais pas trop jusqu'à quand je vais filmer, combien de temps ça va durer ce vlog. Déjà je vais essayer de plus faire des vlogs de 34 minutes, enfin ça va pas être possible. Mon plan là, ça va être de terminer le montage, j'espère, de la vidéo, enfin de mettre les titres et tout, bosser un peu sur la vignette, faudrait sinon après que je lise. Et puis, en soi, j'ai du boulot, des petits trucs à faire et tout. Là, je voulais plutôt parler en fait de l'Australie du coup. Parce que comme vous allez sans doute le voir dans le vlog, à la base, je devais partir donc en février. Enfin, en janvier-février prochain pour 1 an. Sauf qu'au final, il y a eu des changements, je vais pas épiloguer. Et en gros, au final, je pars donc le semestre prochain pour donc 1 semestre. Donc de juillet à début janvier. Je devrais finir les cours courant novembre, fin novembre, et du coup après on va pas mal explorer, etc. Donc je pars avec mon copain, donc avec Tom, et donc on va partir le 9-10 juillet je pense. Voilà, on prend les billets demain ou après-demain normalement, donc vous serez vite au courant. Je pense faire un article plutôt d'ailleurs sur un peu les papiers à avoir pour partir en Australie, etc., ce genre de choses. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les demander. Là du coup, je vais vous emmener un peu dans cette aventure qui arrive bien plus vite que prévu, que ce soit pour l'Australie, mais aussi même pour les papiers et surtout mon déménagement. Parce que du coup, donc, si vous avez vu le précédent vlog, vous savez que j'habite sur Paris.
mes parents en banlieue parisienne et que c'est un appartement que j'ai en fait en colocation avec une amie à moi qui elle part à Montréal en septembre. Bref, et du coup, il faut qu'on déménage toutes mes affaires, etc. Je parlais aussi d'acheter une caméra pour filmer. Et du coup, c'est un peu plus compliqué que prévu, étant donné que ça arrive bien plus tôt que prévu et que je vais pas pouvoir travailler cet été comme je le souhaitais, ce qui m'aurait permis de m'acheter cette caméra. Le gros, en fait, point négatif du téléphone, c'est la batterie. Niveau qualité, pour l'instant, pour ce que j'en fais, ça va. Mais c'est vrai que je pense que dès que je vais vouloir peut-être faire un peu plus... filmer surtout plus en extérieur avec le vent, les choses comme ça, ça va être un peu compliqué. Ce qui est très chiant aussi, c'est qu'on peut pas faire de retour. Genre là, si je voulais faire filmer par exemple ce que je vois derrière moi, je devrais stopper la vidéo, filmer, revenir. Bref, donc c'est pas très très pratique, mais pour l'instant, pour l'utilisation que j'en fais, c'est très bien. Parce que j'ai très très envie en fait de documenter tout ce que je vais faire, tout ce que je vais voir, faire, vivre en Australie. J'ai envie de partager beaucoup plus et d'arrêter un peu de me restreindre. Maintenant, je veux juste en fait faire ça pour moi. Que ce soit mon compte Instagram pour y mettre les photos que j'aime et que je veux poster, que je veux partager. Que ce soit ces vidéos-là ou que ce soit mes articles, etc. Je me lance un peu là-dedans. Puis demain il fait beau. Parce que là, depuis que je suis arrivée, il faisait pas du tout beau. Enfin, pas très très beau. Et surtout un peu froid et pluviotait et tout. Donc j'ai pas trop profité du soleil. Donc là il me reste 2 jours, donc je vais profiter à fond du soleil, puisque quand j'arriverai en Australie ce sera l'hiver. Sur ce, let's go to sleep. Hello, alors là on est mardi 30 avril. Je pars ce soir, enfin fin d'après-midi à 18h de Bordeaux pour arriver ensuite à Paris. Donc voilà, je crois que j'ai pas filmé hier, donc je filme un peu là. Je regarde les Game of Thrones, très important. Voilà, et puis sinon j'ai pas mal lu, j'ai profité du soleil puisqu'il fait beau. Là ce matin je fais du code de la route, j'ai fait 3 fautes. J'y crois. Bon, ok, c'était une session facile, mais n'empêche. Là j'écris un prochain article. Donc voilà. Je suis rentrée de Bordeaux et ensuite j'ai passé mercredi la journée dans Paris. Voilà, j'ai fait une belle marche. On est allé à Montmartre et tout. On a bien marché puisqu'on a traversé de Montmartre jusque dans le 14e à pied. Donc voilà, c'était hyper cool. J'ai mis une petite story, une petite photo sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, j'ai filmé mon petit déjeuner. Et d'ailleurs, j'en ai fait un article sur le blog si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est une recette toute simple. Genre vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Et hyper bonne pour les petits déjeuners, les brunchs, trucs comme ça. Donc voilà. Bah, en fait, là, il est déjà midi et demi. Il aurait fallu que je travaille ce matin, mais j'ai eu du mal à me lever et tout parce que j'ai eu du mal à m'endormir. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder tout ce que j'ai à faire, lister tout ce que j'ai à faire. Me mettre au travail, préparer le déjeuner, puisque donc il y a Joséphine, ma meilleure amie, qui vient déjeuner ce midi, et comme ça je pourrais travailler surtout cet après-midi et demain, vu que j'ai que ça à faire. Demain soir je vois des potes après le dîner, ensuite
ce week-end par contre c'est un peu plus rempli. J'ai samedi, je vais chercher mes nouvelles lunettes, donc voilà. Dimanche, je vais retourner ici déjeuner avec mes parents. Et ensuite on va avec Tom à un match de rugby qui est le Racing 92 contre une équipe de Paris. J'ai oublié le nom, je suis un peu nulle en équipe. Voilà, c'est des places qui nous ont été offertes et du coup bah on va y aller. Donc voilà, premier événement sportif où je vais en live, donc je suis trop contente. Je vais vous raconter une micro-anecdote qui vient d'arriver. En fait, je suis allée à Amsterdam le février dernier et on est allé à une adresse qui s'appelle Mook Pancakes, j'y arrivais. Et c'était un endroit 100% Instagrammable où bien évidemment j'ai pris des photos, j'en ai publié donc sur les réseaux sociaux et tout. Et là j'ai une de mes très très bonnes amies, Audrey, qui m'a envoyé qu'en fait ils ont... En fait il y avait un compte qui avait republié ma photo déjà. Et en fait, eux, donc la marque, le restaurant où on est allé, ont republié la photo qui avait été republiée, mais pas la mienne directement. Ce qui fait qu'ils m'ont pas du tout tagué dans la photo ou dans la description. Donc elle me dit, ah bah ils t'ont pas tagué et tout. Donc j'étais en mode, ah, merci de me prévenir. Du coup, je leur ai envoyé un petit message en mode, hello, en fait c'est moi qui ai pris la photo, blabla. Est-ce que ça vous dérangerait quand même de juste me taguer? Ils ont dit, ah désolé, on savait pas, bien sûr, ils l'ont tout de suite fait. Quand ça se passe comme ça, Dieu merci. Qu'il y en a qui reconnaissent que c'est la moindre des choses. Et puis après, ils ont été adorables, ils m'ont parlé, ils m'ont follow, ils commencent à liker toutes mes photos. Bref, ça m'a fait rire, c'était la petite anecdote du jour. Mais c'est sûr que quand ça se passe comme ça, ça va, mais on connaît tous des marques qui le font, des personnes qui le font et qui s'en foutent et ils ne taguent pas les gens. Et ça, je trouve ça très moyen. Même si, pour l'instant, moi, j'ai pas été amenée à trop le voir parce qu'à chaque fois... À chaque fois que si je vois que ma photo est réutilisée, mais que je suis pas taguée ou quoi, je leur envoie un message. Mais après, sûr que si t'es pas taguée, pour trouver la photo déjà de base, c'est compliqué. Mais bon, là, problème réglé quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour un peu marrante. Voilà, pendant que ma sauce est en train de cuire. Voilà. Yéna, petit malibou. Viens là. Oui. T'avais pas encore vu toi. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Il est déjà 11h30. Hier soir, je me suis couchée tard, je bossais sur des trucs et tout. Aujourd'hui, donc là, je fais du code de la route, je suis pas très bonne. En fait, ça fonctionne un peu par section et la section, notions diverses. Genre tous les trucs des constats, le nombre de points qu'on vous retire selon les délits et tout. Je suis trop nulle, donc j'arrête pas de faire des séries, mais vous voyez, je suis à 13 fautes. Mais bon, faut que j'apprenne comme ça, après ce sera bon. Et puis sinon, j'ai beaucoup de choses à faire, enfin beaucoup de boulot en fait, puisque c'est un peu le dernier jour où je peux réviser. En plus de ça, à la base, on devait avoir accès à certains cours pendant nos examens. Et certains profs viennent de dire qu'en fait non, alors que le partiel est dans 2 jours, voilà. Et que ce week-end, je pourrais pas taffer. Donc, va falloir activer. Bon, il est tard, ouais. 15h49 déjà. Bref, donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours en pyjama parce que bah, vu que ce soir je sors, je voulais me doucher, ça n'a aucun rapport. En fait, c'est que mes vêtements sont en train de sécher, si vous voulez tout savoir, et du coup j'attends qu'ils soient secs parce que j'ai lavé tout mon pantalon. J'ai travaillé ce matin, j'ai publié un article, l'article que j'avais écrit hier soir. Je l'ai publié, j'ai fait les visuels et tout, donc voilà, c'est ma recette sur les avocats toast que j'ai fait précédemment dans le vlog, hier matin. Bon, j'ai un peu le seum là parce que j'ai pas reçu, la lunetterie où je vais me faire mes lunettes n'a pas encore reçu ma monture, donc s'ils la reçoivent assez rapidement, ils vont pouvoir les faire pour demain matin, mais sinon non, donc j'ai un peu le seum, parce que j'avais bien envie, oulala... J'avais
Non, mais non plus. Voilà. J'avais bien envie de les avoir là, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on va faire avec. Donc je suis en train d'éditer le vlog que vous êtes en train de regarder. Nous sommes des mois et des mois plus tard. Mais voilà, c'était juste pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Le vlog s'arrête un peu brutalement parce qu'en fait j'ai filmé beaucoup de trucs. Et sauf qu'au bout d'un moment ça va être trop long. Donc je vais essayer de faire un peu des vlogs par mois. Donc ça c'est à peu près mai. Et puis il y en a un en juin, il y en a un après en Australie et après tout notre trip. Donc promis, je vais essayer de monter ça très vite, mais on a aussi beaucoup de travail. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir que c'est la fin du vlog. Donc merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!